Whoop whoop, mon nom est Soldier. Bienvenue à WWE 18, Road to Glory Elimination Chamber. C'est le match du pré-show versus Bray Wyatt dans un match en cage. Ce qui est tout à fait logique, vu que Bray Wyatt a eu un match en cage à Elimination Chamber. C'est totalement fou, c'est pas un match en cage, je comprends pas, à moins que ce soit un. Non, c'est pas un. Parce que Bray Wyatt il a un match contre Matt Hardy, mais c'est pas du tout un match en cage, donc pourquoi ils ont mis un match en cage contre. Franchement, hey, faut même pas se demander en fait. Faut pas se demander parce que c'est tellement des. Les matchs, tu sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. T'es là, t'arrives, tu fais. Ah d'accord, la brevette. Ah ok. Ah c'est un match à cage. Ah ok, bah, super. Je ne comprends pas. Ou je comprends toujours pas leur délire. Donc bon, on est là, Elimination Chamber, Paralyzed Nevada. Ok. ce que vous voyez là, c'est. C'est mon petit Cupidon de Fortnite. Est-ce qu'il est beau? Dites-moi qu'il est beau. J'ai passé du temps hier, non rigole. J'ai totalement copié le skin, j'ai même mis les ailes et tout, j'ai kiffé. J'ai fait le skin Fortnite, le Cupidon du Saint-Valentin qui est revenu plein de fois et compagnie là. Mais si vas-y, hey, avec les têtes qu'on a eu au Royal Rumble, ça fait exactement le même blanc que la tête du gars dans Fortnite. Donc on commence. Là, franchement, j'ai un petit peu d'ag parce qu'en fait, ce match-là, j'ai déjà recommencé. Et c'est littéralement impossible d'avoir 5 étoiles. Là, on se sent. C'est impossible d'avoir 5 étoiles dans ce putain de match. Parce qu'un match en cage. En fait, le match en cage. Allez, oh, boum. Ok. Match en cage, c'est nul. Parce que, en fait, dès que t'as genre ton corps. Dès que t'as par exemple ton corps dans l'orange. En fait, tu seras au sol. Trop longtemps et le gars aura temps de s'évader même si t'es en train de le battre en fait. Mais juste il te fait une prise. Il te fait une prise, t'es en orange, boum, ok. Neckbreaker. Là je disais ton âge me concentre. Ok. Vas-y, c'est galère en fait. Ce match-là m'a saoulé, franchement là j'ai déjà une étoile. Vas-y, on va dire K4. Je pense qu'on peut dire K4, j'abandonne le truc parce que sinon c'est pas faisable. Parce qu'en fait, je disais, donc, arrête, stop, t'es un peu relou, voilà. Attends, tu vas par là, boum, je te vole ta prise en plus, boum, ok. Et quand ton corps est dans l'orange, si lui te fait une prise, tu restes au sol trop longtemps, tellement longtemps, que le gars il a le temps de s'évader et donc t'es dans la merde parce que tu perds le match. Alors que t'es en train de gagner en fait, parce que ça se trouve, lui là, il est pire que toi, genre en dégâts et tout. Voilà, pour ça c'est un petit peu relou. Lâche-moi, voilà, j'ai loupé mon contre, c'est pas grave, continue. Donc ouais, match en cage, bravate, Cupidon, de Fortnite, oh yes. Ah, j'ai déjà un coup spécial. Mais j'ai pas déjà mis, genre je sais plus, un bonus pour avoir la barre... barre d'XP à fond, enfin presque à fond, je ne sais plus. Oh, j'ai pas fini mon... J'ai déjà un finisher, qui est plutôt pas mal. Oh, boum. Coup de genou. Qu'est-ce que je peux faire là? Parce que je... Ah oui, putain, c'est casse-couille ça. Joli. Bon, du coup, là, je vais faire un finisher. Il a déjà sa tête en orange. Et moi, j'ai toujours ma santé en vert. Mais ce qui est casse-couille, c'est qu'il n'y a aucun Oh my god moment dans le match en cage. Ce qui est très relou. Je crois qu'avant. Putain, quoi. Je crois qu'avant, il y avait genre. Je sais plus comment c'était. Genre, tu faisais une souplex. Depuis le coin, et quand tu tombes au sol, là, putain, mais j'arrive pas à le contrer sur cette prise-là. Chaque fois, il fait la même animation. Quand tu faisais une souplex sur un des coins, quand tu tombes au sol, la porte s'ouvrait et tu pouvais ramper à travers la porte et tout pour s'évader et tout dans la cage. Sauf que bah, je crois que ça n'existe plus. Enfin, en plus, moi, je peux pas le faire parce que ma classe, c'est quoi? C'est light heavyweight. C'est genre ouais, c'est genre en dessous des heavyweight, donc c'est pas les poids lourds. C'est genre poids lourd léger, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas comment on dit en français, on s'en fout un petit peu. Mais en fait, genre, je peux pas faire la souplesse depuis le coin vers l'extérieur du ring. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas le Oh my god moment. Et là, Twist of Fate, magnifiquement porté. Oui, j'ai déjà mon corps en jaune alors que c'est pas passé grand chose dans ce match là. J'adore ce truc, tu peux tellement enchaîner quand il a plus contre. Tu peux enchaîner les Corkscrew Moonsault. Pour enchaîner sur le corps. Oh. Bon, 3 étoiles. Vas-y, je pense. Franchement, je pense 4 étoiles, c'est acceptable. Je pense que ça sera acceptable 4 étoiles. Parce que
5, non, 5, on va pas se foutre de ma gueule, je pourrais pas. J'adore le spammer comme ça, parce que t'imagines en vrai, genre c'est pas possible de faire un truc comme ça dans un vrai match. Ah, c'est parce que dans le jeu il a plus de compte, du coup tu peux enchaîner 15 000 fois la même prise. Je sais pas, c'est un peu marrant. C'est pas drôle, mais ça me fait rire. Il est en train d'être tranquille, mon putain de Cupidon. Cupidon de Fortnite, je rappelle, avec le pantalon rose et le haut blanc. Et j'ai mis quoi? J'ai mis. Enfin. J'ai mis le. Le haut de Jeff Hardy avec les manches longues là. La tête qu'on a gagnée, ou alors une des têtes, je crois que celle-là c'est du César, il y en avait d'autres. Bref, on s'en fout un petit peu. Et j'ai mis les ailes parce que j'ai eu des ailes, sauf qu'il y avait des plus grandes ailes que j'ai pas débloquées encore. Donc je suis un petit peu deg. J'ai vu que le gars dans Cupidon il avait des gants un peu marrons, sauf que là, ça fait hyper moche en fait. Puis je sais pas. Vas-y, au pire, c'est un délire. C'est hyper moche, mais à chaque fois pour un. Pour l'hyperview, je cherche à faire un skin un petit peu rigolo, tu vois. Et utiliser aussi je vais parler. Les objets qu'il nous offre, parce que faut bien que ça serve quelque chose. N'est-ce pas? J'ai pas encore vu ce qu'on allait gagner pour Elimination Chamber, mais je sens que ça va être une grosse ouge, genre je sais pas, genre un masque avec des chaînes ou je sais pas quoi, mais. Bon, Royal Rumble c'est cool, parce que Royal Rumble t'en avais 3 en vrai. T'en avais 3, t'en avais genre un de beau, 3, 2, 2 de moche, mais t'en avais quand même 3 de nouvelles têtes. Donc là, on va voir. J'ai regardé sur Twitter, mais je crois qu'ils l'ont pas encore vu, parce qu'il me semble qu'ils le mettent genre le dernier jour là. Il y a 3 matchs. Oh, boum! J'ai pas précisé, mais il y avait 3 matchs pour ce pay-per-view là. Là, c'est le premier. En plus, c'est relou parce que je sais quoi, faut attendre un jour. Enfin, genre le. Là, c'est quoi? C'est vendredi? Oui, on est vendredi. Samedi, dimanche. Après, quand c'est des plus gros pay-per-view, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je crois. Je sais plus. C'est quoi? Mais si, c'est Rumble, je crois qu'il y avait 5 matchs au Rumble. Donc, Rumble, ça a commencé le mercredi, il me semble. Mais sinon, ça commence le vendredi. Je suis plutôt pas mal là, presque 4 étoiles. Il a sa tête blessée, ouais, il a sa tête blessée. Moi je suis encore dans le jaune, donc ça va. Je vous dis, si je suis dans l'orange, c'est très mort, faut que je me barre. Boum, elbow drop. Yes, yes, il a pu son contre. Je vais pouvoir l'enchaîner mon. Je fais quoi, son finisher là, si j'arrive? Ouais. Un petit peu d'endurance et boum! Hey hey hey! La finisher! Là je pense que c'est bon, casse-toi frère! Si j'y arrive. Putain, j'ai plus d'endurance, fais chier! Ah, puis ça nous relève. Putain, je suis dégoûté! Non, j'aurais. Franchement, j'aurais pas le temps. Un petit peu relou là, mais j'aurais pas eu le temps du tout. Je sais pas pourquoi je sens mal. Je sens très mal. Est-ce que ça. Il va se relever. Non, non, c'est bon. Oh putain, le délire! Oh le délire! Eh, 4 étoiles! Eh, putain, mais j'ai dit que la vérité en plus! Yes, il s'est pas relevé, cet abruti! En plus, ouais, je suis vainqueur alors que j'ai pas encore touché le sol. Très logique. Mais j'ai gagné ce putain de match. Bah, félicitations à moi. Alors, 651 VC, 800 XP, ok, on s'en fout un petit peu en fait. Et bah, ça va, c'était plutôt moins dur que d'habitude. Parce que là, j'ai pas, mais alors, pas du tout tenté les 5 étoiles. Pas du tout, ah, j'ai gagné, oui. Oui, ouais, j'avais vu ça. Par contre, ça, j'avais vu ça. Quand j'ai le premier match, j'ai gagné un coffre en bronze. Le coffre à la con qui coûte 2500. Le coffre qui est très nul. Que tu n'as jamais rien dedans. Vous voyez tout ça. Ah, ok, j'ai 1900 points. C'est de la merde, en fait. Ça ne sert à rien. C'est un petit peu de la merde. Ah, d'accord. Donc là, vous voyez, pré-show, premier match, Tit Cage, après Watts. Il va rester deux matchs, un demain. C'est un match. En fait, après, c'est que des matchs à plusieurs, il me semble. Mais j'ai pas compris si le match de dimanche, c'est un match en Elimination Chamber dans la cage même. Ça serait très cool, mais je pense qu'on va se faire douiller comme d'habitude. Allez, c'est tout pour moi. Merci de mettre ta j'aime sur cette vidéo. Merci de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous laisse. Ciao tout le monde. On se rejoint sur notre rive. Soldier out. Oui, très...
Oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier AS La Vie. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux laisser un like. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux t'abonner. C'est la vie.